Oui, maintenant, oui. Je dis, à partir du 13 octobre 2022, vous avez réussi à commencer la campagne de collecte, d'où il y a une publication sur les réseaux qui atteste et qui certifie que vous avez reçu une somme de 2 000 euros de la part du footballeur guinéen Kamano à travers l'artiste Oudi Premier. Expliquez-nous comment vous avez ensuite procédé à l'ensemble des collectes de fonds. Alors, de part et d'autre. Le déballage. D'accord. Alors, d'abord, il n'y a aucune attestation sur les réseaux ni certificat qui dit que j'ai été en contact avec François ou le joueur qui a remis 2000 euros. Voilà, il n'y a pas d'attestation comme ça. Ça, c'est la première des choses. Il faut faire la part des choses. D'accord. Moi, j'ai fait un letchi en ligne. Et dans une de mes vidéos, j'ai fait des vidéos où j'ai demandé aux artistes qu'au lieu qu'ils donnent 500 000 ou 1 million chacun, d'accord, chose que tout le monde ne ferait pas, ouais, de se mobiliser, de faire un concert où les tickets, les bénéfices du concert lui seront réversés. C'est la meilleure façon aujourd'hui d'aider un artiste comme eux-mêmes. D'accord, je dis, je leur ai donné je leur ai dit de prendre l'exemple sur les Enfoirés, enfin un groupe qui est en France, d'accord, où il y a tout le monde quoi, du théâtre à la musique, voilà, à la comédie quoi, des artistes qui aident comme ça volontairement et chaque année. J'avais fait cette vidéo et ensuite j'ai échangé avec Oudi Premier, d'accord, voilà, il peut le confirmer si vous avez si vous arrivez à le joindre. D'accord. Donc j'ai échangé avec Oudi Premier autour de d'autres sujets où j'ai parlé ensuite de Mingo. Il m'a dit, ah dis donc, je croyais que l'État l'avait prise en charge. J'ai dit non, je dis figure-toi que cette prise en charge a été abandonné, il est relâché dans la nature comme ça lui-même. Donc, Oudi m'a dit, qu'est-ce que tu veux, Tim? Je dis, moi, ce que je veux, j'ai mis une cagnotte ce jour-là, quand je parlais avec Oudi, je lui ai dit, j'ai mis un letchi, c'est-à-dire un lien qui permet aux personnes d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire de France jusqu'à à l'océan Indien, oui, de participer pour lui en ligne. C'était un lien qui était visible par tout le monde. Ouais. Donc, je lui ai dit, j'ai besoin que vous m'aidiez, vous artistes, à ouvrir des portes pour lui afin que, un, qu'il ait non seulement les soins, c'est-à-dire sa dialyse, qu'il ait accès à sa dialyse. Puisqu'une personne qui est dialysée, il faut rappeler qu'il faut le faire au moins 3 fois par semaine. Évidemment, ouais, évidemment. Sur des jours non consécutifs. Mmh. Voilà. Donc, et il m'avait dit que sa dialyse était élevée à un coût d'1 million par dialyse, en fait. Ouais, donc, ce qui fait 3 millions la semaine. Donc, j'ai demandé à Oudi Premier de m'aider à ce que cette collecte aboutisse. Et par la suite, Oudi m'a dit, Tim, je vais voir 2 petits et je te refais signe dans quelques jours. Il l'a promis, il l'a réalisé. Dès qu'il a eu 2000 euros, il m'a appelé. Avec quel petit? J'ai mais eu justement, 2000 euros. C'est ce que je disais, mais on ne s'est pas compris. J'ai aussi cet enregistrement que Oudi m'excuse, mais tout ce qui touche aux collectes et autres, j'enregistre les pour justifs. Me munir. D'accord, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Je n'aime pas les polémiques de ce style-là. Okay. Et donc, c'est ainsi que Oudi a trouvé les 2000 et quand il m'a appelé, je lui avais dit, je dis, Oudi, vu que c'est une collecte de fonds, non seulement je veux que sa dialyse soit payée, mais j'aimerais faire en sorte que, c'est-à-dire qu'on fasse, qu'il ait en perspective cette alternative qui était de l'évacuer en Turquie. Parce que lui-même avait fait une annonce bien plus tôt qu'il avait un donneur. Chose qui était d'ailleurs pas vraie, parce que moi, après, il m'avait dit autre chose. Alors, Madame Aïdara, une petite précision. Est-ce que Oudi vous a confirmé après que Mingo a reçu la somme? Ok, mon frère. Quand Oudi est parti chez Mingo, lui-même, ce jour-là, était accompagné de faux déféquants, qui m'excuse parce qu'il est vraiment en odeur dans ce dossier-là. Okay. Ils étaient à deux, je crois. Ils sont partis lui remettre cette enveloppe main en main. Ok, d'accord. La collecte que moi j'ai faite était d'une nature, c'est-à-dire c'était une collecte en ligne. Ouais, ok. Voilà. Maintenant, par la suite, parce que j'ai quand même, je voulais pas regarder les vidéos de Mingo dans votre box.
Allô? Allô? J'ai suivi parce que mes amis m'ont invité à suivre pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Oui, allô? D'accord, oui. Allô? Oui, allez-y, nous vous recevons. Donc, Mingo a cité qu'il a reçu que 2 millions de cette collecte. D'accord? Ouais. Pour être plus précise, moi je dis qu'il a reçu 2 140 et quelques mille. Et comment? D'accord. Et comment? Oui. Moi, ma collecte, c'était une collecte en ligne sur Letchi. Vous comprenez? Oui. Les premiers 1 million à peu près qu'il avait reçu venaient d'un monsieur qui était au Canada. D'accord? D'accord. Il m'a envoyé 150 dollars canadiens. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même valeur que le dollar américain. Ouais. Même aujourd'hui. Voilà. Donc, l'année dernière encore, c'était autre chose. Donc, dès qu'on a reçu, dès que moi j'ai reçu ces fonds-là, parce que le monsieur m'avait contacté, il m'a dit, Tim, c'est à toi que je fais confiance, je t'envoie. Je lui ai dit, non, tu l'envoies. Il dit, non, il dit, moi je t'envoie. Le monsieur m'a envoyé. D'accord? D'accord. Quand il m'a envoyé cet argent, d'accord. Vu sa vidéo qu'il avait mise sur sa page, il disait qu'il avait raté au moins 2 à 3 dialyses, qu'il n'avait pas été dialysé. Okay. Donc, ces fonds-là, c'est moi qui ai dépêché ces fonds-là ici immédiatement, j'ai complété pour lui envoyer à l'époque en Guinée. Si vous allez sur ma page, vous allez voir les... Attendez, on va même pas aller sur votre page. Vous savez, madame, madame Tim, aujourd'hui, vous êtes accusée par Mingo d'avoir fait la malversation de l'argent que vous avez récolté. Parce que cet argent... Excusez-moi, mais attendez, on va vous poser la question. Attendez. Vous êtes trop... Excusez. D'accord, d'accord. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Donc ça, c'était les premiers fonds qu'il avait reçus. Oui. Le deuxième versement... Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes aux États-Unis qui avaient fait des ailes ou des achats qui étaient d'une somme environ de 100 à 120 et quelques dollars aussi. Il y a 127 dollars. Donc, si vous, si vous regardez très bien ces factures-là, ces fonds n'ont pas été versés dans ma main. D'accord. Ces fonds ont été, c'est-à-dire, ces fonds ont été récupérés à partir de New York. Et ces fonds, pour sa deuxième dialyse, on lui a immédiatement transféré. Parce que ça urgeait, il n'avait pas de frais de soins. C'est lui-même qui l'a dit dans sa vidéo, que ça faisait des jours qu'il ne se dialysait pas. D'accord. Moi, mon souci, c'était qu'il ne manque pas de dialyse jusqu'à ce que cette collecte s'arrête. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il a reçu ces deux dits montants. Okay. Vous comprenez? D'accord. Oui. Parlant ici de cette cagnotte, parce qu'on parle par là de 2 000 euros, on parle par ici de 2 millions. Alors, lorsqu'on revient ici à la levée des fonds que vous avez organisée, à quoi s'élevait ici, lorsque vous avez terminé ici la levée des fonds, et à quoi ont réellement servi ces fonds? Le déballage. Alors, moi, je vais être très brève. Oui. La cagnotte s'élevait à 917 euros. D'accord. D'accord. Et comme j'aime le répéter, il y a encore les preuves, les traces des vidéos que j'ai faites sur ma vidéo pour présenter cette cagnotte. Ouais. Et même quand j'ai essayé de faire le virement. Moi, Mingo, si je peux me permettre, est le premier adulte pour qui je fais une levée de fonds. Sinon, en général, c'est les enfants malades, les personnes en situation de précarité, surtout les femmes à qui je suis très solidaire. Et je crois que c'est la dernière fois que je m'implique dans une histoire guinéenne parce que franchement... C'est grave, non, madame. Madame. Non, c'est trop facile. Non, mais... C'est trop facile. C'est trop facile. Madame, vous ne pouvez pas dire ça quand même. Si vous êtes engagé dans l'humanitaire, vous ne pouvez pas... Non, mais libre à elle. Ce sont les choses qui vont avec la profession que vous voulez exercer. Non, attendez, vous savez, c'est très facile. C'est très facile. De dire libre à moi ou non, je me suis lancé dans l'humanitaire. C'est très facile de le dire. Mais c'est très difficile de porter une souillure. C'est très difficile une souillure. Donc, madame, vous pensez que Mingo a mis de la souillure sur vous à travers cette histoire? Oui.
D'accord, justement. Et d'ailleurs, je le précise, c'est un récidiviste. C'est un récidiviste de ces faits. Si ce n'était que Tim, écoutez, oui. Vous me posez des questions, j'aimerais pouvoir. Allez-y, madame, allez-y, madame. Je vais répondre à vos questions. Madame. Parce que nous sommes à une antenne, ce n'est pas éternel. Le temps est bien limité. Justement. Limingo, c'est un récidiviste de ces faits-là. Sur quoi vous basez? J'étais seul aussi. Voilà. Le cas Mousto, il est là. D'accord, pour mais cas de Grand Davis. D'accord, d'accord, je madame. Aussi, je vais poser la question. Vous savez, c'est pour ce que je disais. C'est bon. On avance. Continue. Sur votre antenne de Oudi Premier. D'accord. Oudi, il m'excuse, c'est moi qui l'ai invité à ça. C'est moi qui l'ai fait rentrer dedans. Corotim, s'il vous plaît, on va avancer, ok? Madame n'a pas répondu à la question de savoir comment on a géré les 917 euros collectés. Moustapha, on en vient. Non, on a une ligne à respecter là. Allez, alors, Tamara. Moi j'ai envie de savoir aujourd'hui par rapport à cette collecte que vous avez eu à faire, parce que la dernière fois on a demandé ici dans le studio à Mingo, est-ce que les montants que vous aviez reçus avant faisaient partie, d'accord, de cette cagnotte qui a été ouverte. Donc du coup, lui-même il était un peu ambigu parce qu'il ne savait pas. Alors moi j'aimerais savoir, à quand a commencé les incompréhensions avec Mingo? À quand a commencé? Alors, d'accord. Merci pour cette question. Je vous répète, Mingo, il est très bien au courant de tout ce qui se passe et il sait ce qu'il est en train de faire. D'accord? Les fonds qu'il a reçus, regardez, c'était sur son numéro, ça vient de deux pays différents. Donc, vous savez très bien que ces fonds-là ne peuvent pas appartenir à ce moment à la collecte qui est en ligne. On vous parle d'un espace en ligne où les gens peuvent participer à travers leur carte bancaire. Oui. Vous comprenez? Donc, dans l'idéal, ça fait grosso modo partie de ma levée de fonds. Mais ce qu'il a reçu, mais les fonds qu'il a reçus ne font pas partie de la cagnotte en ligne. D'accord. Très bien. C'est bien de préciser. C'est ce que je disais, c'est cette précision qu'ils ont demandé. La cagnotte en ligne était estimée à 917 euros. Ouais. Et il faut comprendre aussi que. Oh, attendez. Vous savez. Oui. Comment dire cela? Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Fin de citation. Ouais. Moi, je crois que c'est très bien dit parce que, Amar, la dernière fois, cette affaire de 7000 euros, lorsqu'on a demandé à Mingo. Moi, c'est qui me cœur d'un. Allez-y. Madame. Ton micro, Moustapha. Oui, madame, excusez-moi. Vous avez largement déballé tout ce que vous avez largement expliqué des faits et tout ce qui s'ensuit, mais malheureusement on a du mal à vous comprendre, sincèrement. Non, il faut le dire. Excusez-moi, vous avez parlé d'une collecte de 917 euros sur une plateforme que vous avez. Excusez-moi, laissez-moi répondre s'il vous plaît et laissez-moi poser la question. Je ne réponds pas. Mais moi j'ai du mal à vous comprendre, sincèrement. Comment s'est procédé la collecte de fonds que vous avez mise en place sur une plateforme qui est visible par tout le monde? Vous avez évoqué de 917 euros. Les gens ont du mal à comprendre. Après tout, il y a une de vos publications dans laquelle vous justifiez avoir restitué l'argent aux participants de la cagnotte, n'est-ce pas? Et vous aurez tout ça, il faut nous expliquer pour que les gens puissent être au banc de ce que vous êtes en train de dire. La régie pourra mettre les images. Le déballage. Maintenant, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 2 millions et quelques qu'il a reçus font partie de l'idée de la levée de fonds. D'accord. Okay. On est tout à fait d'accord sur ça. Voilà, les 917 euros. Je peux poursuivre, s'il vous plaît? Oui, allez-y. J'aimerais poursuivre. Allez-y, madame. Des questions sur des questions. Oui, allez-y, on vous écoute, madame. La cagnotte en ligne était élevé à 917 euros. D'accord? C'était une cagnotte qui était visible. Elle était en ligne. Ouais, d'accord. Tout commence où? Le compte de la cagnotte est à mon nom. Ce n'est pas un compte que j'ai créé spécialement pour Mingo. Vous savez, en France, chez nous, il y a ces sites-là où on crée c'est-à-dire des cagnottes ou des levées de fonds. Allô? Vous êtes là?